Nous, ce qu'on vous propose tout de suite, c'est d'aller maintenant vers le courrier de nouveau de Fun Radio avec un interview exclusif Fun Radio. Il s'agit d'un auditeur, c'est quoi, c'est ça? Qui m'a interviewé à la fois moi et à mon insu, ainsi que Gérard. Écoutons. Qui est réellement Max? Je suis un égocentrique, prétentieux et faux cul. C'est vrai. Mais dis-moi, ça n'était pas assez caché, ça. Ouais. Ça dure depuis combien de temps? Tous les soirs, depuis maintenant près de 4 ans, à raison de 3 à 5 heures par jour. Quelles sont les personnes que tu aimes le plus dans la vie? Mes parents, il y a mon frère et ma soeur. Wow, ce serait le bonheur. Il a un don. Et les personnes que tu aimes le moins? Surtout les gens qui me critiquent. Sois plus précis, pourquoi? Parce que les gens qui critiquent, en fin de compte, ne sont pas des gens qui me détestent, sont des gens qui sont jaloux. Que penses-tu de Gérard? Ce mec-là est un petit peu malade. Eh bien, on va vérifier ça immédiatement. Nous avons GG dans un autre studio. On ne lui dit pas que vous êtes avec nous, Max. Ouais. Ok, alors Gérard, vous êtes avec nous en direct dans un autre studio. Que pensez-vous de Max? Le gros pédé de Fun Radio. Bah vous y allez. Oh putain, pour démarrer. Ah bah non, pour l'instant. Hein. D'après vous, que fait Max en ce moment? Je sais pas ce qu'il fout, Max. Max, il se gratte les couilles. À propos de couilles, d'après. Oh là là, il est vulgaire. Centimètres mesure la queue de Max? 5 cm. Salaud. Bien agressif. Alors je voudrais savoir une chose. Est-ce que vous souhaitez le départ de Max? Parce qu'on dirait que vous avez l'air de lui en vouloir, en tout cas. Il part con, lui. Je suppose que ce serait pour prendre sa place et devenir star le soir, alors. Genre le roi de la nuit, ouais. Et quand vous vous regardez devant une glace, qu'est-ce que vous vous dites? Gégé, je t'adore. Et c'est tout? Quel ventard. Gégé, je t'aime. Je me disais aussi. Vous n'attrapez pas un petit peu la grosse tête en ce moment? Non, pas trop, pour l'instant. Max, cul, ouais. Que pensez-vous de la performance que Gérard vient d'accomplir? Il a un don. De temps en temps, vous la jouez pas un petit peu? Ouais, c'est vrai, ouais, je me la joue, et alors? Et vous trouvez pas ça trop malsain, des fois? Là, j'ai pas le droit de me la jouer une fois de temps en temps, non? Gérard, que vous dit Max hors antenne le plus souvent? Je vais te sucer. Oh, que c'est pas vrai, c'est dégueulasse. Toi, on peut appeler ça, je suis poli, hein. Est-ce que Gérard, dans la loco, avec les toilettes, là, c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui est montée de toutes pièces? Qu'est-ce que c'est pour finir? Je peux pas le dire, il faut que ça reste top secret. Bon, d'accord, mais les auditeurs, eux, ils aimeraient bien savoir, Max. Je le sais pertinemment, je le sais. Ben, je pensais que t'allais quand même nous en parler un petit peu. Je n'ai jamais voulu en parler, mais on en a souvent discuté. Bon, ben sois pas déçu. Bon, maintenant, encore une chose. Ah, il y en a eu encore beaucoup, là. Ben non, c'est la dernière. Je vais te demander de conclure, Max. Je te donne carte blanche. Papa, je t'aime.